l'appel soit avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de l'année liturgique et l'Église nous donne de célébrer en ce 24e jour du mois de novembre notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. C'est une solennité et c'est la fin, c'est le couronnement de l'histoire où nous découvrons Jésus comme roi. Déjà, dès la première lecture, deuxième livre de Samuel, nous lisons le couronnement de David par toutes les tribus d'Israël. Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé, quand Saul était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Le Seigneur t'a dit, tu seras le berger de mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Jésus, comme descendant de David, est donc non seulement le roi de la tribu, des tribus d'Israël, mais le roi de l'univers. Et Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, le décrit très clairement. En quoi consiste, comment décrit-il ce roi? Et il dit qu'il est l'image de Dieu invisible. C'est ça le roi. Il est le premier-né avant toute créature. Car s'il est mort et ressuscité, c'est pour être Seigneur et des morts et des vivants. Il est donc le roi en ce qu'il est premier-né. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Tout est créé par ce roi, les êtres visibles et invisibles. Et Saint Paul ajoute au verset 19, « Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié. » Toute plénitude habite en Jésus qui est donc effectivement roi. Mais ce royaume, et même ce roi, ce n'est pas dans un acte de triomphe, n'est-ce pas, qu'il est déclaré roi. Effectivement, l'évangile qui nous est présenté, c'est l'évangile de la crucifixion de Jésus. Ce n'est donc pas un acte judiciaire où on signe que le Christ est roi, ni un acte triomphal, un grand miracle que le Christ fait. Non. La royauté de Jésus, c'est ce roi couronné d'épines, jugé par ses sujets, mais montrant un extrême pardon. Nous nous rappelons de ces paroles de Jésus, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cet acte par lequel il amène le larron qui se répand à entrer dans son règne. Nous voyons aussi un autre acte, la compagnie de Jésus pendant sa vie. C'était des pauvres, des gens simples. C'était des prostituées, c'était des publicains, c'était des malades, c'était des lépreux couronnés sur la croix, ils ne changent pas. Ces deux témoins sont les deux larrons qui témoignent que c'est vrai, il est fils de Dieu, comme le demandait la loi de Moïse, qu'à chaque acte il y a au moins deux témoins. Les citoyens du règne de ce règne sont des gens simples. Ce n'est pas ceux qui sont habités d'orgueil. C'est ceux qui laissent encore un espace dans leur cœur pour qu'arrive autre chose. Tandis que le peuple, les chefs, les soldats et même le larron qui ne se répand pas attendaient une manifestation glorieuse et un signe spectaculaire et un salut physique. Qu'est-ce que Jésus apporte? Jésus apporte plutôt un salut intégral, définitif. Il ne s'agit pas de guérir du doigt, il s'agit de libérer l'homme dans la totalité de son être, en tournant son regard vers une autre perspective, en élevant son regard vers des horizons totalement nouveaux qui lui donnent des perspectives d'une plénitude qui participe à la plénitude de Christ. C'est ça que Jésus voudrait que nous puissions vivre. Pas des petites joies terrestres, pas des petits biens matériels, pas des fausses valeurs, mais des valeurs qui ne disparaîtront jamais. Mais nous comprenons avec ce dialogue entre ces deux larrons, n'est-ce pas? Et l'un qui dit à Jésus, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre qui lui fait de vivre proche, « Tu n'es clair non pas Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. » Nous comprenons que même si
Le salut nous est accordé par la mort du Christ. Notre destin est entre nos mains. Chacun de nous doit, à cause du libre arbitre, décider de faire un choix. Ou pour la vie, ou pour la mort, ou suivre le Christ dans la simplicité, dans le service, dans le don total de nous-mêmes, ou alors dans l'orgueil, la moquerie, ce qui flash, mais qui disparaît. Nous avons, nous, malgré le don de la vie qui nous est donné, à décider de ce que nous-mêmes nous voulons faire de notre vie. Mais nous comprenons en définitive que le règne que Jésus nous promet ne nous conduit pas à la mort. Effectivement, Saint Paul le dit. Frère, rendez grâce à Dieu le Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il s'agit d'un héritage. L'héritage, le royaume de Dieu, c'est un héritage, c'est une participation à ce qui appartient à Dieu. Il nous arrache au pouvoir des ténèbres. Il nous place dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Voilà en quoi consiste ce règne. Arracher des ténèbres. Nous partons de la poussière pour nous asseoir au rang de prince. Nous contemplons cette splendeur et petit à petit, nous aussi, nous commençons à briller. Car qui regarde vers le roi glorieux, lui aussi commencera à briller sans ombre ni trouble au visage. Mais nous devons, comme le Christ, passer par les différentes étapes des souffrances, des persécutions, mais les yeux tournés toujours vers le ciel, les yeux levés au ciel, mais les deux pieds sur terre. Alors, comme Jésus, nous deviendrons, n'est-ce pas, des fils de Dieu, à la suite de l'unique fils qui est l'image de Dieu. Dans ce jour où Jésus nous est proposé dans sa gloire, que Dieu nous comble la surabondance de sa gloire et de sa splendeur et qu'il nous bénisse au nom du Père.